Basé sur la longue série de Beagles du capitaine William Earl Jones, Des Aventures pour Jeunes Lecteurs, publié de 1932 jusqu'à plusieurs années après la mort de Jones en 1968, Beagles était bien ancré dans la culture pop britannique, même si les livres près de 100 au total étaient largement inconnus aux États-Unis, se concentrant sur les aventures en cours du pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, James Beagleworth alias Beagles. Les livres ont évolué avec le temps et sont restés populaires tout au long de sa publication. Il y avait une série télévisée britannique de courte durée en 1960, mais ce n'est qu'au milieu des années 1980 que quelqu'un a tenté une adaptation cinématographique et à ce moment-là, Beagles était dépassé et la jeunesse britannique avait évolué. C'est soi-disant le succès des films d'Indiana Jones qui a stimulé l'idée d'amener l'aviateur aventureux au grand écran. Cependant, le film est resté coincé dans l'enfer du développement, pendant plusieurs années, à un moment donné, on a dit que Dudley Moore, mal interprété, aurait joué le rôle principal. En 1985, le succès de Retour vers le futur a donné l'impulsion improbable pour faire tourner le film, fournissant aux scénaristes de Beagles un film à imiter, un mécanisme pour rendre la Première Guerre mondiale plus accessible au public contemporain et un moyen d'obtenir un personnage américain impliqué dans l'histoire. Pour le rendre plus attrayant sur le plan commercial, pour les enfants avertis des jeux vidéo des années 1980. Les producteurs de Beagles ont décidé d'ajouter de la science-fiction et des voyages dans le temps au scénario puisque Retour vers le futur était un énorme succès à l'époque. Le film est une sorte de mélange entre Retour vers le futur et Indiana Jones. Le Martin McFly de ce film, Jim Ferguson, est interprété par Alex Hyde-White et l'Indiana Jones, Jim Beagleworth alias Beagles, est interprété par Neil Dixon. Le second rôle du colonel Raymond, et quant à lui interprété par Peter Cushing dans son dernier rôle à l'écran, John Out réalise Beagles qui sort en 1986. James Beagleworth. Mes amis m'appellent Beagles. Jim Ferguson. Le film voit Beagles sauvé dans des moments de péril mortel en 1917 par un vendeur américain des années 1980. Jim Ferguson de retour dans le futur, Jim est recherché par l'ancien commandant de Beagles. Ferguson apprend que lui et Beagles sont des jumeaux temporels. Avec d'autres voyages dans le temps, Ferguson est pris dans la mission de Beagles, Algy, Bertie et Ginger pour faire face à une arme secrète allemande, tandis que sa propre vie à la maison avec Debbie et au travail avec Chuck devient incontrôlable. La différence avec Marty McFly de Retour vers le futur est que Ferguson est un observateur passif tout au long du film. Le personnage de Ferguson fonctionne comme un soulagement comique anachronique une fois de retour en 1917 avec Beagles, comme lorsqu'il lance un rasoir électrique sur des soldats allemands et qu'il pense que c'est une grenade ou une bombe. Et quand il se retrouve dans le Londres des années 80, où il fait voler un hélicoptère de haute technologie jusqu'en 1917 et effraie rapidement tout le monde, avec ce qui ils appellent un moulin à vent volant. Même avec un jeu vidéo lié, Beagles était un flop coûteux dans son Royaume-Uni natal et il a fallu deux ans avant que l'éphémère New Century Vista ne le jette dans quelques salles aux États-Unis sans aucune publicité au début de 1988. D'une durée de 108 minutes au Royaume-Uni, le film a été réduit à 93 minutes et rebaptisé Beagles Adventure in Time pour les États-Unis. Puisque personne aux États-Unis ne savait rien des histoires de beagles, sur une mention superficielle, le nom maladroit beagles aurait même pu amener les gens à penser qu'il s'agissait d'une autre imitation de gremlins dans le sens de Ghoulies » et munchies. Bien que cela ne se confond jamais vraiment en ce qui concerne le but et la narration, Beagles gagne un peu de crédibilité pour certaines séquences aériennes spectaculaires et une utilisation efficace des ruines de beckton Work, un lieu mémorablement présenté comme U-City dans la seconde moitié de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Cette inclusion d'un personnage américain principal du futur a du sens en tant que figure d'identification du public étant un monsieur tout le monde. Cependant, cette décision s'avère être une arme à double tranchant, car elle rend les événements auxquels Jim Ferguson est confronté très insignifiants par rapport aux luttes pour la vie et la mort de Beagles. En tant que tel, le rôle de Ferguson finit par se rapprocher de celui du rôle comique. Cela signifie que les autres personnages américains doivent surpasser le soulagement comique, juste pour que Jim ait l'air bien plus héroïque. Ferguson se débrouille bien en tant que psychique humoristique, contrant l'héroïsme de Beagles avec de superbes réparties, démontrant le contraste entre les époques, ou lorsque le contraste entre les nationalités donne lieu à des plaisanteries de bonne humeur. Neil Dixon ressemble certainement à l'icône britannique stoïque et capture la Chaleur humaine du personnage des livres. Il s'avère que Dixon a même fini par reprendre efficacement sa performance en tant que Beagles dans le film pop surréaliste, Ça ne pouvait pas arriver ici, en 1987. Bien que n'ayant visiblement pas le budget des films hollywoodiens qui l'ont partiellement inspiré, Beagle s'en sort bien, notamment dans ses scènes d'action, en particulier les séquences aériennes qui ont clairement dû absorber une bonne partie du budget modeste du film, tandis que l'équipe de production a poussé ce budget pour filmer le premier hélicoptère atterrissant et décollant d'un train roulant à 60 km/h. Comme dans de nombreux films d'action des années 1980, les combats sont bien servis avec l'utilisation sans vergogne du synthèse. Le Northamptonshire, en remplacement du nord de la France derrière les lignes, fait bien illusion. Mais encore une fois, c'est le lieu Beckton Gasworks qui fournit l'emplacement le plus impressionnant en tant que site de test des super armes allemandes. Combiné avec l'excellent travail du département des effets spéciaux effrayants de Gore, quand nous voyons des victimes de super armes, cela crée une atmosphère dont certains films d'horreur seraient envieux. La bande-son du film est rythmée et enthousiaste, et la musique utilisée plusieurs fois dans le film Do You Want to Be a Hero de John Anderson, qui rythme et rajoute de la valeur au film, est un véritable joyau oublié des scores d'action des années 1980. La caractéristique la plus remarquable du film est son utilisation du voyage dans le temps, malgré le concept plutôt étrange de jumeaux temporels. Les auteurs utilisent bien la mécanique temporelle. Peut-être le plus important avec la source d'humour qu'il fournit est la possibilité de passer d'un fuseau horaire à l'autre, permettant au film de revenir aux années 1980 avant que le ton de la Première Guerre mondiale ne rende les choses trop lourdes. A l'inverse, le film peut aussi revenir au cœur de l'action en 1917 sans explication fastidieuse. En tant que tel, ce dispositif narratif temporel est très efficace pour faire avancer l'intrigue à un rythme rapide, accentuant le tempo de l'aventure et ne laissant pas le temps aux spectateurs de s'attarder sur les lacunes du film. Alors ça, c'est insensé, moi j'y comprends rien. Après avoir vu Ferguson revenir dans le temps tout au long, le film effectue un renversement dans l'acte final alors que Beagles arrive dans les années 1980 et que l'action des deux périodes se chevauche. Lié ensemble les deux moitiés de l'histoire fournit des visuels anachroniques emblématiques et une résolution de science-fiction légère avec une technologie future opposée à l'histoire alternative. Le mélange des technologies et des époques évoque le même esprit ludique de diesel steampunk rappelant un peu les clins deuil à la science-fiction à la fin de Sherlock Holmes de Girichi. C'est ce plaisir anachronique qui apporte tant de charme geek au film. En faisant des choses surréalistes à un personnage aussi emblématique, le film réussit de manière inattendue à être à la fois agréable et un mélange plutôt unique d'éléments disparates. Beagle, c'est comme regarder dans un miroir déformant pour le pilote patriotique. Ce n'est pas un reflet fidèle du sujet, mais cela peut toujours être une chose à la fois intéressante et amusante à faire. Il est peut-être temps de remettre ce film en avant et de lui accorder une place de choix parmi nos collections de classiques cultes. Le réalisateur John Holt, qui travaille sur tous les genres, a joui d'un bref mandat à la fin des années 1970 et au début des années 1980 en tant qu'acteur incontournable de l'action pour Disney. Il a notamment réalisé La montagne ensorcelée, sa suite Les visiteurs d'un autre monde. Ou les yeux de la forêt. Il a ensuite réalisé une paire de films d'horreur en 1988, le sous-estimé Une affaire de famille et le lugubre Hurlement 4, avant de se consacrer principalement sur les téléfilms. N'en fais pas, dieu Rappelle-toi ce que Raymond a dit Ça te marcher Serre les fesses